La première des choses, premier secret, c'est ce que j'appelle le pouvoir de... C'est pas ce que moi qui l'appelle, c'est, on appelle cela le pouvoir de la gratitude. C'est l'art, comment vous dire, quand on connaît pas le mot gratitude, notamment en Europe, parce que c'est très nord-américain cela, c'est l'art d'apprécier ce que l'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'il est impossible de continuer à s'énerver, à péter un câble, à tomber dans des grandes envolées lyriques émotives, paroxysme de l'émotion, on crie, et on claque les portes à la Fedo, à la française. C'est impossible de tomber dans cet état extrême de stress, de perdre son calme, quand on est dans un état de gratitude. Votre cerveau ne peut pas en même temps éprouver de la colère et de la reconnaissance. Il ne sait pas faire. De l'amour et de la jalousie. C'est soit dans l'un, soit dans l'autre. Le pouvoir de la gratitude, c'est de prendre le temps, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, prenez le temps de repenser ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce que vous avez dans la vie. En fait, les études démontrent que le fait de faire cela 1 à 2 fois par jour, ça va augmenter votre bonne humeur. Ça va élever votre niveau de bonheur. Plus précisément, ça va réduire votre cortisol de 23%. C'est l'hormone du stress, le cortisol. Rien que de faire cela. Moi, je dis que les 23%, ça ne m'a rien coûté, je peux le faire. Il y a de vrais fondements scientifiques dans ce que je vous dis, avec beaucoup d'humour évidemment. Mais les recherches menées à l'Université de Californie notamment ont révélé que les personnes qui travaillaient tous les jours pour cultiver une attitude de gratitude éprouvaient une nette amélioration de leur humeur, de l'énergie et du bien-être physique. Il est probable que des niveaux plus bas de cortisol, c'est ce que dit l'université, aient joué un rôle important et majeur dans ce processus de bien-être. Numéro 1, pour rester zen, déjà de respirer profondément, ça aide évidemment. Eh bien, je vous donnerai tous les détails à la tournée 110, mais le pouvoir de la gratitude. Deuxième façon de rester zen, c'est de mettre une fin. J'avais envie de passer beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus, mais j'ai un peu débordé. De mettre fin à vos projections négatives. C'est marrant parce que je vous en ai parlé la semaine dernière dans une autre émission sur les gens toxiques, mais on parlait de gens toxiques qui en permanence font des projections négatives. Faites en sorte de réduire vos projections négatives. Faites en sorte de réduire cela. Les grands leaders écrasent ce monologue intérieur négatif. Écrasez, réduisez, estompez. On ne peut pas le faire disparaître, mais estompez ce monologue intérieur négatif qui se répète en permanence. Un grand pas dans la gestion du stress, c'est quoi? Ça consiste à mettre fin à l'autosuggestion négative. Pensez à cela. Plus vous allez ruminer sur les pensées négatives, et plus vous leur donnez du pouvoir. C'est aussi simple qu'un muscle que vous travaillez, la plupart de vos pensées négatives, pensez-y, ne sont pas des faits. Ce n'est pas une réalité, c'est votre réalité. La plupart de vos pensées négatives ne sont que des pensées, pas des faits. Et la plupart du temps, vous avez le sentiment, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais la plupart des sentiments, vous avez le sentiment que ces pensées sont des faits. Et c'est faux, navré de vous le dire. C'est complètement erroné. Et vous êtes persuadé d'avoir raison. Combien de fois vous vous êtes dit ça ne marchera pas et au final, oh, pas zut alors. Qu'est-ce qui se serait passé dans votre vie si vous étiez parti encore plus positif? Partant comme ça, waouh, ça va marcher. Vous imaginez les résultats immenses fois 110% que vous auriez eu? C'est ça que je veux vous apprendre à la tournée 110.